Et bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, salut les sorciers. On se retrouve un petit peu plus tard que d'habitude ce soir à cause de plein de problèmes techniques. Vous n'imaginez pas le boxon dans lequel je me trouve à l'heure actuelle. Il y en a partout autour de moi parce que c'était un vrai bordel pour réussir à faire ce live. Pour tout vous dire, au début on était censé vous présenter un nouveau jeu de société, mais finalement il ne nous a pas été livré à temps. Donc j'ai réorganisé un petit peu tout ça pour préparer le live au mieux et j'ai eu que des problèmes de connexion, de Wii U qui se rallumait pas, de manette Wii qui se rallumait pas. Donc j'ai galéré, ça fait 1 heure que je suis dessus, mais voilà, on va pouvoir faire ce petit live. Un live improvisé où on va reprendre Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 sur Wii U, là où on s'était arrêté la dernière fois. Je sais même plus où c'était, je crois qu'on avait fini l'étape où il faut... Et où il faut passer la cave avec les dragons. Un truc du genre. Je sais même plus exactement comment ça joue. Ça va être très drôle de retrouver ça. En tout cas, on va reprendre dans quelques instants. Mais avant, comme d'habitude, un petit tour à la une de l'actu. Et à la une cette semaine, on va parler de l'année 2023. Mais avant de se jeter déjà dans l'année prochaine, mais pensons un peu aux fêtes de fin d'année quand même, hein. Donc pour rappel, le calendrier de l'Avent de la Gazette vous permet chaque jour, en réussissant un mini-jeu, une énigme ou en répondant à une question, à l'un ou l'une d'entre vous de remporter un cadeau magique offert par l'un de nos partenaires. Alors n'oubliez surtout pas de jouer chaque jour, hein. Petite routine quotidienne, on ouvre la nouvelle case et vous avez jusqu'à minuit chaque jour pour répondre à la question et espérer être tiré au sort. Voilà. Par exemple, hier c'était pour une manette PS4 aux couleurs de Poudlard pour bien entamer l'année 2023 et pour pouvoir jouer à Hogwarts Legacy avec la plus belle manette possible. Donc c'est des cadeaux plutôt sympas. Ah. Si ce calendrier vous tiendra en haleine jusque Noël, ce ne sera pas le cas de l'exposition photo Harry Potter. La Harry Potter in Location, donc l'exposition photo qui vous permettait de vous immiscer au cœur du tournage des 11 films du monde magique, fermera ses portes le 15 décembre prochain. Si vous avez l'occasion d'aller à Londres avant cette date, c'est donc potentiellement votre dernière chance d'y accéder puisqu'on ne sait pas si l'exposition reviendra un jour. Accolé à l'expo, le bar Abbey Robert, qui est le premier officiel du Royaume-Uni, restera lui bel et bien ouvert. Donc bah, vous pouvez toujours aller profiter d'un bon moment avec une boisson fraîche et une ambiance chaleureuse, festive et potterienne, il n'y a pas de souci et l'entrée est gratuite. Après, il faut évidemment consommer sur place. Toutes les infos sont dans notre article que je vous poste dans le chat. Petite info suivante, on va parler du début d'année vraiment 2023. Puisque comme chaque année depuis maintenant 6 ans, 2023 débutera par la sortie en librairie du nouveau tome d'Harry Potter au format 4 maisons. Cette année, c'est au tour du Prince de Sang-Mêlé d'être réédité avec une couverture mettant en avant le personnage de Rogue. Les autres détails sont, comme d'habitude, différents selon la maison que vous choisirez. Il y a à chaque fois une potion qui est quand même très fort mise en avant hein, dans ce tome. Donc on a la Mortensia pour les Poufsouffles, la Félix Felicis pour les Gryffondors, du Poison chez Serpentard et du Veritas Serum chez Serdaigle. Il y a des personnages issus de chaque maison qui ont une importance dans le tome et qui sont présentés chacun à leur manière, via leur patronus, via leur objet fétiche ou même simplement via eux-mêmes. Et les scènes mythiques qui apparaissent dans cet entrelacement de volutes de fumée. À l'intérieur des tomes, vous retrouverez deux illustrations inédites qui s'ajoutent au contenu habituel. Donc la première, c'est un auteur célèbre de la maison avec le livre qui y est associé. On a Lockhart avec Moi le magicien chez les Serdaigle. On a Norbert Dragono et son vie et habitat des animaux fantastiques pour les Poufsouffles. On a Severus Rogue pour toutes ses annotations dans le manuel de potions avancées chez Serpentard. Chez Gryffondor, c'est pas vraiment l'auteur, hein, mais on a Harry qui est représenté avec le livre du Quidditch à travers les âges. Et il y a une deuxième illustration plus sobre que vous pouvez retrouver dans les images à côté de moi. Qui représente un personnage important de la maison en format vertical. Donc on a Albus pour les Gryffondors, Luna chez les Serdaigle, Drago chez Serpentard et Ernie McMillan chez les Poufsouffles. Le livre sera disponible dès le 19 janvier 2023. Il est déjà disponible en précommande pour compléter votre collection.
toutes les informations juste ici. Coucou Lanta. Et j'avais pas dit bonjour à The Dark Side juste avant. Alors, on parlait de librairie, on va continuer dans la même veine, puisque un nouveau livre qui sort, mais c'est aussi le fait d'aller en librairie, et ce sera l'occasion de le faire pour la nuit des livres Harry Potter annuelle organisée par Gallimard. Voilà. Bloomsbury, l'éditeur britannique, a décidé cette année de repousser son habituel Book Night à l'automne 2023, mais ce n'est pas le cas de l'éditeur francophone qui a maintenu la date du premier week-end de février, comme c'est le cas vraiment chaque année. Donc les jeudis 2 février, vendredi 3 et samedi 4, de nombreuses librairies à travers toute la France ouvriront leurs portes pour une ou plusieurs soirées spéciales autour du thème Harry Potter. Le thème de cette année a été choisi de manière assez simple, hein, puisque Gallimard a décidé de marquer les 25 ans de l'arrivée de Harry en France en célébrant le premier tome, et donc le thème sera Harry Potter à l'école des sorciers. On se retrouvera donc avec plaisir pour l'occasion et pour le premier événement de l'année 2023. On vous tient informé dès que possible des librairies dans lesquelles nous serons présents. Voilà. Et la dernière petite information du jour. Le Studio Tour aussi a annoncé son programme de l'année 2023. Et coucou Mindcramps. Donc voilà, on a tout le calendrier pour l'année à venir. On débutera donc l'année sur le thème des méfaits magiques entre le 21 janvier et le 18 avril. Donc cet événement qui avait déjà eu lieu l'année passée fait la part belle aux jumeaux Weasley, aux farces et aux objets magiques comme les beuglantes ou la cape d'invisibilité. Donc la grande salle est pleine de feux d'artifice et d'explosions comme vous pouvez le voir sur la photo en haut de ce côté-là pour mettre en avant le départ des jumeaux Weasley en fanfare lors des buses. Ensuite. Après, en avril, enfin après avril, donc on aura une thématisation inédite, un nouvel événement pour les studios entre le 2 mai et le 4 septembre. Donc pendant tout l'été, le studio vous prépare le retour à Poudlard. Pour la première fois, on va plonger au cœur des secrets de l'arrivée en barque jusqu'au château. On va aussi voir tout ce que l'arrivée du trio à Poudlard sera mise en avant à travers, par exemple, leur premier cours. On va sans doute voir le Wingardium Leviosa et la répartition du Choixpeau. Voilà, donc tout sera thématisé sur le retour à Poudlard et l'arrivée du trio dans le château. Entre le 15 septembre et le 5 novembre, après, les Mangemorts reprendront leur droit sur le studio avec l'habituel événement des Dark Arts, donc avec des citrouilles dans la grande salle, la magie noire, la marque des ténèbres qui vous suit un peu partout, les Mangemorts qui se baladent durant l'événement et qui vous affrontent en duel. Et puis, comme c'est le cas actuellement au studio tour, l'année finira sous la neige avec Hogwarts in the Snow, donc du 11 novembre au 18 janvier 2024. Poudlard se vêtira de son manteau blanc et la neige tombera sur la cour centrale et sur tous les décors, sur la maquette, comme vous pouvez voir aussi juste ici, à une belle façon de clôturer l'année et ses actualités. Voilà, c'était pour les actus du jour. On va donc passer au cœur de cette soirée et on va redécouvrir un petit peu Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Hop là, on va. Voilà. De toute façon, vous devriez donc maintenant m'entendre. Et puis, vous aurez également le son du bureau avec le jeu. Moi, j'ai mes écouteurs pour ne pas faire de doublons. Je vais rallumer ma manette Wii. Et on va arriver sur Harry Potter et le Rite de la Mort. Alors, comment ça joue encore ce bazar? Hello Olivarius! Alors, je vais déjà vous décaler un peu l'écran parce que. Il est où? Il est ici. Inutile que. La moitié soit gâchée. Donc.
On était dans la magie et puissance. Voilà, petit décalage. On va continuer la partie. Donc on en était à l'arrivée au ministère. Oui, on avait fait la dernière étape, c'était ça. C'était suivre les employés du ministère. Ok. Donc petite mission au ministère. C'est là les ascenseurs, ouais. Mais qu'est-ce que c'est mal fait? Ah, la tête de Rancorn là-dedans. Ok, donc. Je dois savoir quel ascenseur me conduira au niveau 1. Oupsi. C'était pas volontaire. Aïe. C'était pas tout à fait volontaire. De tout d'un coup faire un protégo et de casser le Polynita. Alors, nom de Love Player, on va pas faire tout le jeu en live. On avait fait déjà un premier live sur le sujet il y a. Bah, pop, pop. Ça devait être en fin d'année passée. Et puis là, c'est le deuxième live. Voilà. On va pas. Je peux changer la vue. Là, c'est chiant possible. Je vois pas du tout ce qui se passe autour de moi. Pas un truc pour changer la vue, non? Choisir où je regarde. Voilà, coucou toi. C'était pas prévu.
Bon, si je peux pas changer la vue, ça va être compliqué quand même. Je vais juste regarder si... Ça n'a pas l'air de détecter ma manette sur le capteur. Et du coup, j'ai pas l'air de pouvoir changer de vue. Et ça va être très très compliqué. Bon. Là, comment voulez-vous réussir cette mission? Comme ça. C'était pas ça que je voulais. Est-ce qu'elle se doute de quelque chose? Ok. L'ascenseur du milieu, très bien. Donc maintenant, je vois plus qu'elle est là-bas. Ouais, je veux bien retourner à l'ascenseur, mais je sais pas passer. Oh. Ça va être l'enfer comme ça. Parce que là, je dois faire de la marche arrière carrément. Donc ouais, très drôle. Ok, je monte dans l'ascenseur et maintenant. Du milieu. Non, c'est pas bien ce sens du milieu. J'ai réussi. J'ai réussi par je sais pas quel miracle, mais j'ai réussi. Aïe. Ça va être une horreur. Ça va être une horreur complète. Je ne peux pas viser. Je ne peux absolument... Ah! Ah! Oh! Mon détecteur a fonctionné. Ok. Ça va peut-être être plus pratique si je peux déjà tourner l'écran et voir où je vais. Ok. Ok, on gagne quelque chose là.
superbe. Vais juste. Bah. Oula! J'ai rencontré quelqu'un, j'aurais pas dû. Ok, je suis totalement incognito. Alors la porte s'ouvre tranquillement et ils n'ont rien à ils n'ont rien à foutre. Ok, on a débloqué l'expulso, très bien. Et qui n'a jamais rêvé de détruire le bureau d'ombrage. Mais en attendant, ça me dit. Ah. Fouiller les bureaux, oui, je veux bien fouiller les bureaux, mais c'est déjà incontrôlable ce truc. Et en plus, j'ai rien pour fouiller les bureaux. Ah, ça, je dois fouiller les autres bureaux. Ok, je ressors. Pourquoi il y a plein de monde tout d'un coup? Ok. Je sais plus comment on change de... Je sais plus comment on envoie un patronyme, je crois que j'ai appris, mais. Ok. Ça ne nous aide pas. Fouiller les bureaux de la recherche d'indices d'ombrage. Est-ce qu'il y a genre option un petit rappel des commandes? Ce serait bien. 4 points. Roue des sorts. Ah, maintenant j'ai la roue des sorts. Ok. Blablabla, ça c'est le truc. Lancer un sort, utiliser une potion par B. Viser. Ah, c'est le C pour le Spéro Patronum. Ok. Ok, et donc là j'ai la roue des sorts. Ok. Ok.
voir si dans les autres bureaux je trouve des trucs intéressants. Très bien. Rien dans celui-ci. Très bien. Je dois aller par là, mais sans rentrer dans ce type. Ok. Voilà. Attends, qu'est-ce que j'ai? Ok, j'ai fouillé le premier bureau. J'attends un peu que la cape se recharge. Ok, je vais leur repasser là. Ils veulent pas se bouger le cul, c'est. Ils veulent pas. Allez, casse-toi. Ne bouge vraiment pas quoi. Je suppose que ça passe. Ouais, non, ça passait pas. Ok, on a le Confundo qui était bloqué. Et malgré la musique inquiétante, j'ai pas encore vu de personne me tirer dessus. Il me recherche, mais il m'a pas trouvé. Cool. Cool. Je suis chaud. Alors, 4 sur 6. Visiter. Allez, on peut le faire. Allez, tourne. Ok, 5 sur 6. Il manque plus qu'un. Ok, dit que c'est là-bas. Pourquoi il est vers moi tout d'un coup? Oupsi! Oupsi, il y en a de l'autre côté aussi. Ah! Oh putain, j'en avais 5 sur 5 sur 6, fichier. C'est parti, hein.
1. Ah, il était juste là en plus. Putain. Ouais, laisser recharger la cape parce que là j'ai failli aller jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ok. Personne. Ah oui, là c'était la partie hyper tricky où je m'étais fait choper. Est-ce qu'il vaut mieux pas que je fasse tout le tour? Parce que là ma cape va disparaître à un moment. Je vais faire tout le tour. Vite, 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 dans un coin. Merde, il m'a eu. Ok, ça va, je m'en suis sorti. Allez, les deux derniers bureaux sont juste là. Ouf, je l'ai échappé belle. Allez, retourne-toi, retourne-toi, retourne-toi. Non, non. Ok. Je peux redescendre dans la salle d'audience. C'est pas grave. C'est pas où là? Ah, c'est pas
Il veut pas dégager lui. Puis il est immobile, l'autre fait des allers-retours. Elle fait des allers-retours aussi. Je sais pas si je vais aller à droite ou à gauche. Ouais, on prend à droite. On reste pas, point immobile, tout va bien. Ok, non, cette porte-là est fermée. Donc on descend tout à l'heure de l'autre côté. J'attends que la cadence d'activité se recharge un peu. Tout va bien. Si Harry respirait un peu moins fort, peut-être qu'on s'en sortirait quand même. Ok, recharge la cape. Il y a beaucoup de missions d'infiltration quand même dans le jeu. Hein. C'est peut-être ce qui est le plus réussi par rapport à peut-être que qu'ils ont fait ça en jeu de tir, mais. Ok. D'accord. Si tu le dis. Voilà, il vient de revers moi. Pas bon ça. Si je peux passer par là, ça me paraît bien. Je dois aller où exactement? Je vais m'arrêter là, voir un peu mon truc se recharger et voir. Ok, je peux encore passer par là-bas. Très bien. Bon, on va attendre que lui en passe. Et puis on va y aller, hein. C'est parti. Ok. Ah, c'est pas là. Ok. Me suis fourvoyé.
C'est peut-être là. Comment ça se fait que ça baisse là? Ah, il y a peut-être là des trucs au-dessus de ma tête. Tout cas, ça remonte. Non, ça rebaisse. Je vois pas tout à fait ce qui fait que ça baisse, mais c'est pas grave. Ça remonte quand même plus que ce que ça ne baisse. Je vais pouvoir y aller. Oupsi. Bon, ça va, j'ai réussi à valider le truc. Ça craint quand même, je suis bientôt crevé là. Il faudrait que je gagne un peu plus de vie. Yo, ah! Il est où le médaillon? Il est où le médaillon? Je comprends pas où est le médaillon. Ok, j'avais déjà pris le médaillon. Très bien.
Je suppose que là, je vais avoir plein de méchants à affronter. Allez, tourne. Pourquoi est-ce que je me fais chier ici de changer de sort en fait? Ouais, on a compris, Harry, tes idées de corruption là. Oh, ils ont encore continué le tour. Qu'est-ce que ça fait vraiment si je change de sort? Ok. Donc Kung Fu Do, c'est un peu un sniper, c'est ça. Oh, si rien ne voulait se bouger le cul un peu. Ok, donc ça on est d'accord, c'est ça. Très bien. Impedimenta, alors. Aïe. Ok. Il tient pas où maintenant?
Je sais pas, mais ça vibre beaucoup. Impedimenta. Expulsion, elle dit quoi? Oh, je peux maintenir. C'est cool ça. Ok, c'est par là. Très bien, très bien. Donc expulsion, c'est un peu le sort mitrailleuse là. Je crois pas que ce soit fini. Si? Aïe. Tiens, comment elle est arrivée par derrière là? Oh non! Il dit pas que je dois recommencer tout ça. Ah, ok, j'arrive déjà là. Ok, ça va alors. Donc, on se remet en expulsor. Et où? Ok, mais ça sera un peu puissant, super. Allez! Ok, je suppose que je dois aller par là. C'est de l'autre côté. Pas de bol. Alors, attends, attends, hop. Une potion explosive. Tire sur le mur, lui. Je vais revenir au bon vieux stupéfixe, hein. Ça me semble être le plus efficace au final. Il tire où? Ok. Mais calmez-vous les gars, on les voit même pas.
Ouais. Ah. Tam tam tam. T'en fais pas, la barre de vie rend toute seule dans les jeux vidéo. Tam tam. What the fuck? C'est quoi cette attaque qui sort de nulle part? C'est quoi cette attaque qui sort vraiment de nulle part? Parce que c'est ce qui est en face. C'est genre des oxy. C'est des oxy. Si, c'est ça, c'est des oxy.
Ouais, on peut les avoir, c'est juste des petites araignées, très bien. On a vu pire. Je la voyais pas. Ok, elles sont là. Ouf. À la limite, ça a un peu plus de sens que comment les magnans qui débarquent, les rafleurs qui débarquent de nulle part, alors que t'es censé être discret. Que Dean et le gobelin étaient 3 mètres devant toi et qu'ils sont pas interpellés, et pouf! Non, quand toi tu passes, t'as des rafleurs qui sont là, hey, coucou! Donc, je préfère les araignées dans ce cas-ci. Même si je ne vois toujours pas trop ce que cette scène a. Ah! On est dans le droit avec la rafleur, super! Ça, c'est un sort bien utilisé pour une fois. Il y a un petit truc sur la droite là, on le sent bien. Quoi? Elle m'a one shot? Ah, je sais plus. Ok, on a repris au doxyde. Oh, lutin de Cornouailles. T'es des lutins de Cornouailles. Je vais attendre un peu de recharger ma vie. Ok. Oui, on a compris que c'était des araignées. On est d'accord que donc ce raccourci n'est pas un puisque enfin, ce moyen de contourner le truc ne te faisait juste passer par plus d'araignées quoi. En gros. J'aurais pas dû le prendre au premier tour, je m'en étais très très bien sorti sans y aller. Demander 4 fois.
l'as demandé 4 fois, putain, Hermione. Alors là, on peut faire un confondo. Voilà, on vient bien sur la tête. Oh, ils se la tapent entre eux. Oh, c'est marrant ça. Je veux dire que c'est assez marrant. Bon, après, on va quand même. On va quand même le tuer aussi, hein, mais. C'était assez marrant de les faire se taper entre eux. Franchement. Je retiens. Ah merde, trop avancé. J'ai pu être très très négatif sur ce jeu dans le passé, mais il y a des bons trucs quand même, hein. Ça sert à rien, mais c'est marrant le confondo. Impedimenta, qu'est-ce que ça? Ok. On tente des trucs, hein. Je sais plus où je suis. Il y a du noir partout autour de moi. Ok. Où ils sont où? Ils sont où? Bon, ça sent un peu passer par là. Ah oui, ok. Hermione était en train de taper, donc ça va. Et voilà. Ah, il y en a encore là-bas. C'est quand même pratique d'avoir les sorts de Ron et Hermione pour savoir quand il y en a encore. Puisque eux, ils tapent à travers. Ils ont rien à foutre. C'est par là-bas. Ah. Il est où? C'est le truc là. Aïe.
sont où? Ok. Coffre là qui gardait. Ah, un petit chicaneur. C'est pratique ces barrières anti-sortilège quand même. Même quand tu passes ton bras à travers, tu peux plus lancer de sort seulement. Bon, ni en recevoir, hein, ça reste, c'est des super protections. Oupsi. Il est où? Ah, il est là. Stupéfix, stupéfix, stupéfix. Bon, c'était pas là, hein? Enfin, il y a quand même 25 rafleurs autour d'eux, visiblement, Amiens. On dit pas qu'ils sont seuls. On passe quand même 4 heures à suivre Dean et Gripsek en mode un peu stalker. Ok. Je ne l'avais pas vu venir. Il y a plein de sauconniers dans cette forêt, très bien. Ou bien c'est des Ents, on sait pas encore trop. Super. C'est vraiment, ils ont décidé d'avoir des. Ils ont décidé de mettre des sauconniers là, comme ça, trois sauconniers au bord de la rivière. Allez, boum! Bon, là il y a un coffre, ça me paraît trop facile. C'est quand qu'ils arrivent méchants? Pas de méchant, vraiment juste un coffre. Ça, cadeau. Ok. Bon, les méchants ils vont arriver là, du coup. Ouais, petit chargement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans. Ouais, ils sont là-bas en bas. Ok, il faut faire affronter tous les méchants jusque là pour récupérer. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ah, il y en avait un au-dessus.
On pourrait presque croire que Dean et Gripsek sont des appâts pour t'attirer, hein, parce que. Parce que pour que tous ces rappeurs ne s'intéressent pas du tout à eux, mais par contre, attendent derrière pour attaquer tous ceux qui s'en rapprocheraient. Ouch. Oui, il a fait mal le sang. Ouais, c'est chaque fois un terme de ma vie hein, quand je me prends un sort. Je sais pas ce qu'il lance, mais. Ouais, c'est de la folie qu'il y a autant de rafleurs dans cette zone abandonnée, ouais. Alors, dox ici, une potion anti-feu, une potion anti-je sais pas quoi, un tour de chicaneur, sans du mur lab qui ne sert plus à grand chose puisque j'ai déjà récupéré ma vie, mais c'est pas grave. Allez, dites-moi que c'est fini. Non, pas encore. Attends, il y a des mangements en face, super. C'est très drôle quand même. Ah, c'est très drôle. Voilà. Ça c'était fun. Barre de chargement, qu'est-ce qui apparaît? Évidemment, on peut pas passer par là, il faut traverser ce chantier, j'ai pas envie du tout de le traverser. Ah! Zinferi ne peut pas être tué. Ça, c'est super! Je cherche pas à les tuer, je cherche à me casser, très clairement. Mais le problème, c'est que je ne sais pas où je vais. Ah bah. Ok.
Et après? À part là-bas. Ok. Ah oui, non, j'ai pas rechangé de sort. Non. Oupsi. Ok. On a l'expérimus. C'est du one shot ça. Sympathique. Je vois pas où il va après. Derrière moi. Voilà. Très bien, maintenant je passe. Ron et Hermione peuvent s'amuser avec eux s'ils veulent. Ok. Et on va par là. Ok, là il y a des petites palissades. On va voir du combat. Ah ben non. Oh, déception. Déception. Ah, c'est pas fini. Ouf. On a encore eu de la chance. Putain, cette mission, elle dure une éternité. Mais une éternité. Enfin, il faut un moment dire ce qui est. C'était drôle les trois premiers trucs, quoi. Alors. On va quand même toujours s'amuser avec un petit compondo. Pourquoi t'as rien compris, Ron? Pourquoi tu les laisses pas se taper entre eux? Interne. On reprend l'expériamus. Un peu de ta vie, Harry. Là, je crois que j'ai tué quand même la plupart. Non? Ah, il y en a encore un là. Est-ce que je peux monter? Non, je peux pas monter. J'aurais bien aimé y voir un peu de haut. Bon. Allez. Du coup.
Alors, par là-bas, on doit faire tout le tour. Et évidemment, ici, il y a des nouveaux méchants. Ah, il a réapparu comme ça, sympa. C'est encore là, hein, les gars. Pour une fois que Hermione et Ron, ils... Non. Ron recule. Ah oui, c'est vrai que Ron en plus il est censé être blessé. Genre blessé gravement, genre. Il souffrait de ouf. Ils aiment bien ces décors de centrale un peu, hein. On avait déjà eu ça dans la première fois qu'on y a joué. Genre, ils ont rien trouvé mieux pour représenter Harry Potter 7 que des usines abandonnées. Et des attaques de rafleurs en boucle. Non mais le rafleur il va pas te passer comme ça à côté. Peux toujours pas monter là-bas au-dessus, non. J'ai vraiment l'impression de refaire quasiment la même mission que dans l'usine éclair qu'on avait faite, mais pour un autre but. Ouais, non, l'expérience, c'est bien. Clairement, ça m'épuise hein, de faire ces missions. Genre, il y a un coffre là. Là, je suis allé par là. J'y vais du coup. Allez, c'était la fin. Dites-moi que c'était la fin. Putain, évidemment que non, c'était pas la fin. Allez, retourne-toi. Ah, trouve un moyen de franchir cette barrière. Peut-être avec une potion explosive. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est là, la potion explosive. Allez. Non. Ah, je dois avoir le grimoire de Confringo. Super. Je ne l'ai pas donc. Ben on va chercher ça. Allez, on retourne en arrière. Ah, c'est génial. C'était pas assez long comme ça. Fallait en plus qu'on nous fasse revenir en arrière.
Je sais toujours pas si Xperia Mu c'est vraiment plus rentable que mitrailler Stupéfix en boucle. Ok, c'est du one shot, mais le temps que je le charge. Je vais reprendre le stupéfixe et hop là, on va aller plus vite. Voilà. Il est par là, je sors mon Pringles, super. Franchement, ils sont quand même plus résistants que les rafleurs. Hein. À ce niveau, il n'y a pas de doute. Allez, mange dans les rafleurs du ministère, allez, je sais pas comment on les appelle. Ils sont où? Ah, j'ai le compringo. Donc maintenant je peux repartir là où j'étais. On va voir c'est quoi le compringo exactement. Et j'ai bientôt tous les sorts, hein. Ok, c'est un bazooka. Super. C'est un bazooka. Allez. Ah, ça bug de ouf. Ah non, si je meurs maintenant, ça va pas le faire. Allez, on prend le stupéfixe et on brouille. Hein. Que visiblement ça sert à rien d'essayer de le jouer beau jeu. Ah j'ai oublié de mettre ça. Ok on s'en fout. J'ai tous les sorts, c'est ça l'important. Allez on avance maintenant. Barrière est détruite. Ah. Bon. Ça.
Ah putain. Je l'ai repéré en plus, hein. Là aussi, il y en a un. Oh putain, doxycide encore. Un doxy. C'est vraiment Fangorn, quoi. Et là, le petit pont. Ce thème qui est pas 18 rafleurs qui nous sont déjà tombés dessus. Cet effet tranche, c'est les Solconia. C'est les Solconia parce que dans la forêt de je sais même pas quelle, c'est la forêt de Dean, je crois, mais enfin, bref, quand ils essayent de suivre Dean et Gripsek, cette scène qui dure à peu près 18 ans dans. Tout le monde le sait. Bah, il y a plus de 10 Soulcogneurs sur le chemin pour. Ron, non! Tu restes ou tu viens? Ron, non! Ok. Est-ce que... Oh non, je pars parti dans le même monde, pas possible. Où est mon détecteur? On va de nouveau se taper 15 000 rafleurs qui nous attaquent. Les Soulcogneurs sont de retour. Et il y a des méchants. Ah, des araignées. Alors on rigole, mais tout à l'heure c'est des araignées qui m'ont tué. Hein, donc. J'aimerais juste pouvoir aller au coffre. Merci. Allez. Donc là, encore un Soulcogneur. Encore un autre. Ok, c'était un niveau très très difficile. Oh tiens, une usine abandonnée. Mais qu'est-ce qui pourrait bien se cacher là-dedans? Des rafleurs peut-être? Alors, où est-ce qu'ils sont? Là. Super. Ah merde. Ah, je suis bloqué. Non.
Non mais arrête de t'approcher de moi, va taper les autres, c'est ça le but. Qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, le Confringo, un petit peu. Non. Voilà, petit bazooka. On va reprendre l'Expelliarmus. Ah oui, non, j'ai oublié de charger. Oui, on peut les avoir facile. Confondo, c'est quand même le plus drôle. Mais il faudrait pour ça pouvoir aller voir un peu plus loin. Merde. Oh! Ils m'ont fait un Confringo eux aussi. Et toi aussi, t'es avec nous. C'est bien ça. Allez, maintenant. Allez, au moins une chose de faite dans ce live, c'est qu'on a débloqué tous les sorts différents. Et on a pu voir à quel point ils ne servaient à rien, puisque un stupéfixe fait quand même toujours l'affaire. Ouh, ça des trackers qui sont. Pourquoi il dit des trackers, ils sont où? Vous voyez des trackers quelque part? Je peux mourir, je suis mort quand même plusieurs fois depuis le début. On va pas se le cacher. Surtout dans les missions d'infiltration où j'avais pas encore où mon détecteur Wii ne détectait pas encore ma manette. Et donc c'était un peu compliqué de me tourner. J'ai fait la première mission en marche arrière. Donc non, on peut mourir. Après, honnêtement, quand tu es dans les missions avec Ron et Hermione. C'est surtout eux qui prennent cher. Déjà, si je pouvais savoir où je dois aller. Par là-bas. Et puis après par là-bas. Non. Pas par là. Je dois monter sur la rampe. Ah non, c'est ça, je dois utiliser Confringo. J'ai pas encore l'habitude. Uchi. Donc dans les sorts, pour faire un petit point, le stupéfixe c'est le sort de base qui est très très utile. L'Expelliarmus, un sort un peu puissant qu'il faut charger. Le Petrificus Totalus qui les immobilise mais que à courte portée. L'Expulso qui fait un peu mitraillette. Le Confondo qui est très drôle puisque en plus d'être sniper, il est fait changer de camp. Voilà, et ça c'est drôle quand même. Même si quand ils changent de camp, ils te foncent quand même dessus. Mais ils ont l'air un peu cons. Aïe. On peut les avoir, oui. J'aimerais essayer le sort Wingardium Leviosa, mais il faut trouver un objet, c'est ça? Ouais, j'ai pas d'objet moi. Je sais pas sur quoi le lancer.
Bon, on va rester au stupéfixe du coup. Et voilà, comme quoi, je suis mort. Ça arrive. Bon, on va refaire ça mieux, un peu avec mon fond de loin. Si je les vois. C'est quand même un jeu d'infiltration avant tout. Après, on bourrine. Et d'abord, on infiltre. Voilà. Là, s'il peut commencer à se battre avec les gens. Plutôt que de foncer vers moi. Pourquoi il fonce vers moi? Je comprends pas. Le but du Confondo, c'est de le faire changer d'équipe pour qu'il se batte avec les adversaires, pas pour qu'il vienne ici. Ça n'a aucun intérêt. C'est ça qu'il fallait faire. Ça, c'était drôle. Et après, je comprends pas qu'ils viennent. Ils continuent à venir vers nous, quoi. Ah, les Confringos, ils sont chiants, quand même. Ça, les trackers, pourquoi elle arrête pas de dire ça quand on est ici? Y a que dalle comme des trackers. Ben, c'est moi qui hallucine, mais. Ah non, il fallait que je repasse. Attends. Dans ce petit coin là. Je sais plus. Oh. Labyrinthe pour rien ce truc. Ah, c'était là. Ok. On repasse en profondo. On essaie qu'ils apparaissent. Allez, apparaissez. Non. Ah, voilà. Oula, 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 oula. On va reculer, on va reculer. On va passer derrière cette grille magique qui arrête tous les sorts. Ouais, Hermione, mais ne reste pas au milieu de tout le monde. Allez. On reprend le Confringo pour casser le mur. On se casse la gueule au passage. De la régénération, c'est bien. Et on est reparti. Je l'ai lancé le Confringo déjà. On se cache. Merde. Aïe. Faut chier avec leur confringo.
C'est quand même un peu du bourrinage aussi. J'avais pas vu. Bonsoir Lucas. Ouais, exactement ce jeu de l'enfer. Ok. On sait maintenant où ils étaient ces détraqueurs. Il y a des mange-morts aussi, hein, c'était un nom. En fait, on est en train de revenir en arrière. On a fait le chemin inverse de tout ce qu'on a fait, ou bien c'est juste les mêmes décors qu'ils ont utilisés pour la suite du jeu. Parce qu'on est passé par là, on est d'accord, on y est rentré dans ce truc. J'ai vraiment l'impression que c'est les mêmes décors qu'ils ont utilisés pour tout. On n'est pas censé revenir en arrière. Ah ouais, non, c'est vraiment la même chose, quoi. On repasse par les mêmes endroits. La mission a été doublée. Ces gens ont fait un aller-retour. On a suivi Dean et Gripsek. Et puis, on refait la même chose dans l'autre sens. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, les Inferi, on ne peut pas les tuer, il faut juste les retarder en leur tirant des sorts dessus, donc ça sert à rien de se compliquer la vie en restant. Hein, le mieux à faire est de fuir. Maintenant, je sais pas où aller après. Donc c'est bien fuir, mais... Pourquoi il y a Mendres là-bas? Et pourquoi le sort des quatre chemins ne fonctionne plus? Pour te dire où aller. Est-ce que vous entendez ces cris d'horreur? On a vraiment laissé Hermione se faire bouffer les intestins par des Inferi, quoi. Peut-être que j'étais pas passé du bon côté de la grille. Oh, il y a un coffre. On va aller voir le coffre. Une nouvelle gazette du sorcier, très bien. Allez, avançons loin de ces bruits infernaux. Et on va essayer de trouver l'entrée. Ça va être là-dedans. Voilà, très bien. On passe par la deuxième. C'est vraiment, ils ont vraiment doublé la mission, quoi. C'est hallucinant. Eh bien, c'est super. On va donc camper sous ce truc. Ah.
Et on est obligé de leur refaire cette nouvelle. Ah, vous entendez pas beaucoup le jeu. Peu plus fort. De toute façon, on va bientôt finir là, parce que on est obligé de refaire un mini-jeu. Ils peuvent pas juste faire l'histoire quoi. Entre chaque camping, on est obligé de refaire un affrontement là. Tellement pas envie de faire ça. Allez. Je sais plus si on était obligé de faire les trois. Allez. On vient déjà de passer 4 heures à buter du mangemort et du rafleur dans une usine. Et plutôt que de. Enfin. Ils sont obligés de nous faire un mini-jeu où tout ce qu'on doit faire c'est buter du rafleur, mais. Bon, pas dans une usine, allez, ça change. Enfin, franchement, c'est n'importe quoi quoi. Pourquoi vous voulez. Pourquoi vous acceptez pas que vous avez des missions et puis après des missions de merde peut-être, mais. Une fois qu'elles sont finies, elles sont finies, on passe à la suite de l'histoire, quoi. Pas besoin de rajouter un. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Stupéfix! Ok. Oula, j'ai crevé. On va se cacher un petit peu, on va recharger notre vie. Oui, la diversité des bruitages est en effet impressionnante. Ouais, où il est, où il est? Oh putain, mais il était là depuis le début! Tu m'étonnes que je crevais. Ah là-dessus. Eh, dis-moi que c'était le dernier. Non? Non, il en a encore. Ah bah derrière. Il y a un coffre là au bout. Allez. Non, c'est fini du coup. Oh, il faut faire les deux autres. C'est vraiment un enfer ce jeu. C'est vraiment un enfer. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. Ça fait 2 heures qu'on est en live.
Parce que j'ai aucunement envie de faire ces autres missions secondaires. C'est horrible. C'est horrible. Donc, on va être clair. La dernière fois, je vous avais promis de continuer Harry Potter 7.1. Cette fois-ci, je vous promets de ne pas le continuer. Ce jeu est infernal. Ce jeu n'a aucun intérêt. L'histoire n'est pas l'histoire de Harry Potter 7.1. Même pas. Ils ont même pas réussi la base du truc. Et en plus, voilà pourquoi il a commencé la capture des Moldus exactement. Et la commission d'enregistrement des Moldus retient des Moldus au ministère. On a fait la mission juste avant les ministères, avant de partir. Mais si Harry n'est pas au ministère, c'est pour une bonne raison. Parce qu'il ne peut plus y aller. Enfin. Voilà. Ça n'a aucun sens. L'histoire n'a aucun sens. Ça consiste juste à envoyer des stupéfixes en boucle. Il y a des sorts amusants, mais ils sont tellement anecdotiques. Le Confondo qui permet donc de prendre. Moi, il m'a fait rire les premières fois où j'ai pu l'utiliser correctement et où les gens ont commencé à se taper entre eux plutôt que de me taper moi. Mais même ça bug parce que maintenant, quand tu le lances, ils te foncent quand même dessus et puis après, ils se retournent au dernier moment. Dès qu'ils ont fini le Confondo, ils commencent déjà à te retaper. Donc non, il y a rien à sauver dans le jeu. Donc, on va s'arrêter là. Ça nous permet de voir à quel point on est tombé bas avec les jeux Harry Potter et à quel point ben, Hogwarts Legacy qui arrive en février, ça ne peut qu'être une bonne nouvelle. Donc on a, enfin moi j'ai hâte en tout cas d'y jouer. La semaine prochaine, mardi 13, on se retrouve pour un live quiz qui permettra de gagner des points pour la Coupe des 4 maisons. En mode question pour un champion. Donc pour la Coupe des 4 maisons du Discord externe, évidemment. Alors je vais repasser sur un truc où on voit ma tête. Vous n'avez plus besoin de voir ça. Voilà. Voilà. Vous voyez ma tête. On va couper le son du jeu. Oh, et je vais pouvoir retirer mes écouteurs pour arrêter d'entendre cette horreur aussi, parce que même niveau bande son, c'est quand même pas terrible. Donc, la semaine prochaine, comme je vous disais, un live spécial quiz question pour un champion qui vous permettra de gagner des points pour la Coupe des 4 maisons du Discord externe de la Gazette. Donc, n'hésitez pas à être présent dès 20h l'année prochaine pour marquer un maximum de points pour et défendre les couleurs de votre maison. En attendant, je vous rappelle également le calendrier l'Avent de la Gazette qui tous les jours vous permet de gagner un superbe cadeau en répondant à un quiz, en réussissant une énigme ou un mini-jeu. Donc c'est tous les jours, vous avez de minuit 1 à 23h59 chaque jour pour participer. Donc il faut ouvrir votre case tous les jours. Donc n'oubliez pas d'y repasser quotidiennement. Bien sûr, vous pouvez évidemment nous retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux habituels de la Gazette, donc Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, le Discord externe, du coup, le kiosque des sorciers, Tipeee, si vous voulez nous soutenir financièrement, et tous ceux que j'ai certainement oubliés, YouTube et Twitch, évidemment, pour les vidéos. Cette vidéo sera disponible sur YouTube dès la début de semaine prochaine, même un peu moins, disons la fin de cette semaine-ci, en replay, comme tous les autres lives de cette chaîne Twitch. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère que vous avez souffert à mes côtés. Et on se retrouve du coup mardi prochain pour le prochain live. Salut les sorciers!